Et nous recommençons. On n'a toujours pas trouvé quel type de jeu on va pouvoir faire par la suite. Eh bien, pour nous débloquer un tant soit peu. Et là, la question que l'on peut se poser, c'est... Est-ce que du coup, vu que là, on a des contrats qui sont beaucoup trop justes pour qu'on puisse les faire et du coup avoir des points de recherche, en sachant qu'il nous en faut 10, est-ce qu'on ne redévelopperait pas un autre jeu? Peut-être dans le même thème que ce qu'on a fait au tout début, vu qu'on a un moteur amélioré, qui nous rapporterait des points de recherche et du coup bah, un peu plus d'expérience, et peut-être un peu plus de sous aussi, pour ensuite... chercher un jeu qui se veut casu le temps que la Game Boy sorte, quoi. Mais on avait fait quoi en tout premier? C'était Evolution. Ouais. T'avais voulu donner le nom de Blurpee, on a fait Blurpee. Ah, les Blurpee's Adventure, oui, Game of Life. C'était Strat. Et là, on peut faire Quiax Revenge. Oula. Game of Life. Oula. Attends. Ils ont créé le lore Game of Life. Oh merde. Non, attends. Oui, mais de toute façon, on n'a pas de thème casu, là. Donc, ah, bah tiens. Le voilà. Le roi cupcake. Ah, d'accord, je me suis dit, regarde par la fenêtre, j'avais pas compris. Bonjour, roi cupcake. Dis roi cupcake, mais qu'est-ce que tu fais par ma fenêtre? Bon. Va prendre tes médicaments, t'inquiète pas, ça va aller. Donc... C'est ça. Espèce d'hystérique. Oh! Non? T'as dit un mot interdit? Parce que oui, petit instant culture. Petit instant culture. Hystérique, venez du. Je suis partout. Oh mon dieu! Je vais même faire des cauchemars la nuit de quelqu'un qui m'observe dans mon sommeil. Mais oui, pour le petit instant culture. Hystérique, donc, vient du mot grec. Définissant l'utérus, donc, chez, plus communément, les femmes. En sachant, donc, que c'était très sexiste de dire ça, mais à la fois pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Parce que ce que l'on appelle vulgairement l'hystérie, à l'heure actuelle, ça se dit même histrionie. Maintenant, on parle d'histrionie, mais dans le langage commun, on parle encore d'hystérie, mais dans le langage de la santé mentale, on utilise histrionie, surtout. Bah, pour la plupart des pros. Parce qu'en fait, bah, des hommes aussi sont atteints d'hystrionie. Donc, du coup, voilà. C'est... Même, il y a plein de maladies comme ça, qui ça vient des termes... voilà, ça peut venir de beaucoup de... Enfin, ça arrive beaucoup chez un certain genre, mais ça veut pas dire que ça arrive pas chez l'autre, quoi. Sauf, bah, pour l'endométriose. Là, c'est sûr que, bon, c'est difficile que ça arrive chez l'homme, quoi. C'est assez compliqué. Mais bref. Notre thème de jeu, donc, on a dit Strat, donc PC... Master Race. Et Evolution, donc on avait fait les Burpees. Et j'ai vu trouver une espèce s'appelait les Bu. Donc est-ce que toi t'aurais pas une connerie à mettre pour un titre comme ça? C'est tellement nul comme nom que non. Oh, wow. Oh l'échec. Les Raticorps. Ah oui, j'avais l'espèce des fesses en l'air. J'avais les fesses en l'air. Donc ça s'écrivait comme ça. Les fesses en l'air. Là, quand je le dis, moi, j'ai dit Fessenheim, mais c'est pas... Les Fessenheim, on est... c'est encore pire. On avait quoi? Les Piggles. On avait les Piggles. Les Piggles de sport, allez. Bien sûr, que j'ai dévoré. Hein. Oui, mais là, t'avais commencé à marquer Pug, et ça va... Ah! Les Puggles, les... ça peut être du ah, j'hésite, je sais plus si c'est Puggles ou Piggles. Donc, les Piggles... Non, les... Un amour de chips. Puggles Revenge. Encore. T'as Game que des... of Life. Mais... Comme ça, t'as dit... On... Mais il y a que des trucs comme ça... Ah oui, ça fait une pseudo-suite, en fait, quoi. Voilà. Game of Light, j'ai failli y mettre. Les Puggles, ouais. J'avais envie de mettre un jeu de mots, tu sais, avec Springle. Les Puggles, un amour de chips. C'est nul. C'est naze. En fait, c'est... Ton méga était choqué. Par dépit ou quoi que c'est que c'est même pas une blague, en fait. C'est mignon, enfin. C'est mignon, quand même. Enfin, non. Au fond de mon assiette, ouais. Sur mon assiette, oui, évidemment, tout est mignon. Mais là... sur mon assiette.
Dans mon assiette, tout est mignon. Oh, que de poésie. Eh ben, on est bon. Oh, c'était... Ah non, merde, je crois que c'était l'inverse. Mais c'est pas grave. T'as fait quoi? On a fait quoi, là? Tu simules, non? Non, strat. 80-100-0. T'as fait quoi? 180-0. Attends. Et là, c'est 0. Attends. Là, c'est bon. Redis-moi. C'était 80-100-0 qu'il fallait faire. T'as fait quoi? T'as fait 180-0. Ouais, je crois que j'ai fait l'inverse. Bon, bah, c'est bon. Oh là, merci, chérie. Quoi? Non! Ah, merde! Ah, je savais! Voilà. Ah merde, Bah de toute façon, on était en pause, donc qu'est-ce qu'on s'en fiche au final? Voilà, on était là. C'est ça. Donc, développer un jeu... Puggles, Puggles Revenge. Puggles Revenge. Event. Revenge. Game of Life. Ok, donc thème. Évolution. Strat. PC. Donc Quichotte. Voilà. J'étais pas... En fait, je suis même pas sûr que j'ai fait une bourde à ce niveau-là. Mais heureusement que ça revient ici. Ah oui, si, j'avais fait ça. 0. 100. 80. Enfin, 80. 80 sans 0. Eh ben, c'est normal, en fait, j'avais fait ça. Bref. Nous ne parlerons pas de cette triste, de ce triste épisode de notre histoire, bien sûr. Ça reste entre nous. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était très bizarre. J'ai regardé un replay. C'était très bizarre. Mais je suis pas sûr comme t'es à moitié pas dans le cadre. Si, là, tout était dans le câble. Dans le cadre. Dans le câble. Tout était dans le câble. Oui, mais évidemment, tout passe dans le câble. Oh, merde, non, mais non. Non. Si. Non, je te jure que non. Tout ne passe pas dans le câble. Non, non, tu ne passes pas dans le câble. Je te jure que... Zog... Ah oui, voilà, c'est ce moment-là de notre histoire où nous pleurons tous. Là. Voilà. Ça, je sais que c'est bon. Alors, attends. Même c'est quoi, c'est Strat? Oui. Strategy. Ouais, c'est ça. Ouais, vas-y. Ouais, c'est bon. Wesh. Wesh, vas-y, frère. Oula, c'est quoi ce gros tech là? Oh, le tech n'y a pas mieux. Ah, la Game Link sort entre temps, c'est parfait pour nos plats. Je crois que c'est en dessous de 4 bugs, ça va. En dessous de 4 bugs, ils sont quand même tolérants. Ils sont quand même bien tolérants, parce que moi je veux sortir un jeu parfait. Merde. Voilà. Allez, pitié. Au moins ils sont cohérents. Au moins ils sont cohérents dans leur critique, mais... Rang 20. On a quand même des bons rangs, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Et on avait dit qu'on chercherait quoi déjà? Alors, on a les jeux casu. Mais il nous faut un jeu de rythme. C'est ça? Oui. Ok. Donc on recherche le jeu de rythme. Et encore, on est bien au niveau point de recherche. Donc. Jeu de rythme. Gaming. J'ai le nom parfait. Attends. Ne dis pas, garde la surprise. Quand même. Alors, donc thème, rythme. Genre, bien sûr. Plateforme, zag-zag. La zag-zag, ouais. La zag-zag, la zig-zig. Non, merde. Oui. Tordinite Heroes. Oula. Tordinite Heroes. Oh merde. Brawloman Edition. Quoi? What? Quoi? Quoi? Brawloman. Mais ça rentre pas. Édition. Tu vois, dommage. Je te l'avais dit.
Alors. J'ai réfléchi. Il y a de la fumée. Ça c'est la fumée. La petite bulle. Alors. Borrowman package, ou non, c'est un contrat. Ouais, oh ouais. Non, c'est encore pire. Ouais, c'est encore pire. Ouais. Non, mais... Pack, ouais. Pack, ouais. Borrowman pack, ouais. Très bien. Allez, hop, suivant. Oh non. Oh non. Oh merde, en plus, j'ai mis tout public. Oh. Ouais, faut le pour les jeunes. Bah quoi. Oh. L'éduquer à un plaisir personnel. Mais non. C'est terrible. Oh. Ah oui, alors je crois que c'est radical, hein. C'est... Oui. Moteur, on va quand même garder les sauvegardes ou on enlève? Parce que là, c'est moins. Je peux retirer les sauvegardes. Allez, on retire les sauvegardes, de toute façon, on s'en fout. Voilà. Ah. Intéressant. Non mais, j'en reviens pas quand même. On fait d'abord un jeu sur les Puggles. Des cochons mutants de sport. Et, ouais. Et là, on est sur Tendinity Rose Branloman Pack. Quoi. Le jeu de beauf, quoi. C'est vraiment le jeu de beauf. J'appelle pas ça autrement. Au design, je pense qu'on va être bien. Bah, je crois qu'en plus, il faut... Alors, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Il faut deux fois plus de design que de tech. Ouais, bah, on est quand même bien parti, hein. Et là, bon, le son forcément est important, même moi, en même temps, un jeu de rythme, tu vas pas ne pas mettre un son, enfin, tu vas pas mettre un mauvais en fait, son, quoi. Bah, tu dois échanger graphisme et son. Ah ! Ouais. Alors, c'est pas très logique, ça. Ouais, par rapport aux indicateurs, c'est l'inverse, ouais. Ça me paraît bizarre. Moi, des fois, j'écouterais forcément plus les indicatifs que les tableaux, au final. Mais pour assurer le coup, là, on va quand même faire dans ce sens-là. Parce que sinon ça va être... Je trouve qu'on va faire un jeu de tueur. Un jeu de tueur. Il y a des gens qui vont manifester dans les rues. Des émeutes ça, vont avoir lieu. Tout le rapport de deux qu'on avait tout à l'heure, tu vois. Ouais, non, malheureusement... Il faudra avoir un de ces designs. Ouais, bah oui, mais on a peut-être pas encore la tech totale qu'il faut. Arrête. Oui. Ah putain, il y en a encore un qui vole. Comment ça, il y en a encore un qui vole? Tu vas voir. Attends. Oui, non mais je m'en fous. Dégage! Ah putain! Va-t'en! Ah, y'a pas, pas de record. Mais. Ah. Eh ben, on va chercher ces trucs-là, non? Allez, ouais, d'abord le rapport, bah oui. Putain, alors, mais là, critique de jeu, attention, est-ce qu'il y a des consoles qui vont coller? Ça va être un four! Le jeu qui se joue avec une main. Oh, fais chier! Mais merde! Mais à 7. T'en arrives pas à décoller, hein! Mais, admet une chose quand même, j'essaye de rester positif par rapport à ça, c'est que. On est trop stable. On est stable, mais trop. Ah. Merci, j'ai lu la phrase dans ma tête. Ça donnait... Ouais, l'entreprise a réussi à faire ça à une étape importante dans l'entreprise de merde. On a choisi le meilleur nom au monde. Ouais. Alors, donc... Ah, donc 10, donc il faut 25, il faut 65. C'est bien, puis c'est compté. Puis c'est aussi, là c'était les chaussures. Je ne suis pas une tortue, si c'est ce que tu insinues. Donc pourtant, avec toute la salade que tu broutes... Oh. Au secours, aidez-moi. Help me. Sortez-moi de là. Éditeur de niveau peut-être en premier. Ou meilleure expérience utilisateur. Market. Market. Marketing, t'as pas besoin d'intégrer dans un moteur de jeu pour pouvoir profiter. C'est pas faux. En effet. En effet, en effet. Oh là là, mais c'est. Oh, mais non, mais pas près du micro, s'il te plaît.
Je fais de l'ASMR. Non, 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 là, il n'y a plus d'excuses. Tu ne fais pas d'ASMR, s'il te plaît. Ouais, c'est peut-être un contrat, allez, pour se consoler, hein, un contrat. Oui, non, chips. Chips. Ok. Eh non, mais quand même, ils devaient faire rentrer de l'argent, ce con-là, hein. Ben oui, on a de l'argent qui rentre progressivement, mais on n'a pas le bouchon de champagne, là. Le truc qui te fait rentrer du million par terre. Fais gaffe à ce que tu dis. Parce que après avoir sorti ton Dignity Rose Branloman Pack, là, je vais surveiller tout ce que tu dis. Je vais faire la police du Larousse. Attention. Là, c'est le petit Robert qui va venir te voir. Je sais pas quoi faire. On fait un jeu ? Bah oui, déjà, tiens, j'en fais un jeu. C'est quoi ? Eh, Rock-up-cap. Est-ce que tu vas arriver à le dire ? Merde, voilà. Tu vois, je l'ai bien dit, c'est le nom de la boîte. C'est le nom de la boîte, exactement. Propose un nom de jeu. Voilà. Qu'il soit en rapport avec quoi ? Quel domaine on peut faire ? Bah, on a toujours pas fait... Arts martiaux ? On a fait arts martiaux, mais développement de jeu, on ne l'a jamais fait. Ouais, t'as dit que c'était chiant à faire. Non. J'ai juste dit qu'on n'avait pas la tech qu'il fallait à ce moment-là. Bon, bah vas-y, on va... On va le faire. Mais pour moi, c'est Simu, Casu. Regarde, mais je suis pas sûre. Là, pour le coup, regarde. Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va passer. Meilleur thème pour chaque type. Développement de jeu, je crois qu'il y a, y a que la Simu qui marche vraiment. Ah voilà. Tu me disais pour développement de jeu casu. En même temps, on a déjà fait du casu. Ouais, pour l'instant, peut-être mieux faire du stratégie. Non, c'est quoi, c'est simu développement. Ouais, simu, il y a que bon, allez, du simu. Attends, je regarde. Et bah écoute, je fais le truc en attendant. Développement de jeu, ouais, c'est un simu. OK, PC Don Quichotte. Et tu l'appelles Inception. Inception, exact. Oh oula, allez. Inception, pire. C'est quel truc. C'est con. Inception. C'est con, mais... Bon, bref, hein, ouais. 2 DV, 2 Simu. Ouais. Mais on n'a pas le choix. Moteur. Histoire 4, on s'en branle. Oui, ok. On s'en fout. De toute façon, on n'a pas développé sur la G64, donc... C'est pas grave. T'es sûr que c'est ça aussi ? Oui. Ok. C'est aussi extrême que ça, malheureusement. Et là, je crois que c'est ça. Il n'y a pas à bouger. Tu crois ou t'es sûr ? Oui, je suis sûr. Quoi ? J'ai le droit de respirer, j'ai le droit de dire. Non, mais tu respirais. Comme si tu voyais quelque chose de grave. No Space. No Space. Cette fois-ci, j'ai bien prononcé ton nom. Et désolé encore pour la dernière fois. Oh. Oh, allez. Let's go. Non. Tu dis que des conneries, monsieur. Oh, alors peut-être qu'on va 3DV1. C'est vrai que toi tu veux pas faire de la 2D. Non. Alors que moi, je fais des parties entières en 2D. Des parties... Quoi ? Moi, j'aime bien sur The Game Dev Fairy Queen. Ah ouais, des parties entières en 2D. Bah oui, mais du coup... Ça marche bien. Bah oui, mais du coup, ouais, bah t'as le thème qui est raccord avec, quoi. C'est ça, hein. Bah c'est... Quand tu commences à faire des MMO, le faire en 2D, ça peut être intéressant. T'es hors cadre. Personne ne te voit, là. Tu es une présence invisible dans mon salon. C'est sa monstruosité à l'écran, c'est pour ça. Parce que tu crois que t'es une statue grecque ? Oh, bah oui, ça c'est sûr. T'as vu la ref ou pas ? Sérieusement, t'as pas vu la ref ? C'est une honte ! Attends, tu te... Ah oui, si tu... Ça y est, il l'a capté. Vous prenez pour une statue grecque, peut-être. C'est vous prenez peut-être pour une statue grecque. J'adore cette actrice déjà de base, alors bon, dans le rôle de Célie, elle est géniale, moi, je trouve. Salut, sied à merveille. Un 8 ! Pitié! Un 8! Pitié! Ah! Un 6! Ah! 6,75!
Quand est-ce qu'on va dépasser le rang des 7? Les 7, ce chiffre maudit! Malédiction! 42, c'est une catastrophe! Bah, c'est toujours bien. 42, c'est... Que nenni! Que nenni! Non, mais ta gueule! Bref. Ne faites pas attention à l'énergumène à côté de moi, je l'invite, mais c'est uniquement pour la forme. Pour le remercier chaque jour que Dieu fait de m'avoir permis d'avoir au moins un micro. Heureusement que tu te rattrapes au bout. Oui, t'as vu, je m'accroche bien. Ah putain. Parce que les racines sont plus dures. J'ai l'impression qu'on a déjà eu ce discours, c'est très bizarre. Lors de, du stream Carval, tu m'as déjà sorti ça. Oui. Ça, tu penses que ça le fait? Ouais, ça peut le faire. Ça fait juste quand même. Attends. La technique, sauvegarde chargée. Quand même. Oui, non, mais c'est là qu'il faut cliquer. Proposition, déchiffrer le message. Alors, qu'est-ce que c'est? Non. Non, mais attends, c'est emprunter des infos. C'est... Oui, ça veut dire qu'ils ont arrêté sur... Oui, mais ça permet de débloquer certains thèmes des fois. Thème à 25 000. Oh putain, ouais, j'avoue. Non, refusé. Oh, j'ai failli misclick, putain, c'était à la limite. Et on est à 8, on est presque à 9000K. Hein. On est à 9000K. On est à 9000K. 900K, pas 9000K. En plus, je prends la. Oh merde, oui, pardon. Bah, 9, ouais, mais c'est mieux 9000K quand même, ça rend les choses plus positives. Et l'Inception. 234 000. Et les, l'autre contrat, je crois qu'il est trop court par contre. Ouais. Il y en a deux qui sont jouables. Ah, j'ai dit l'autre. C'est pas grave. De toute façon, ouais. Ça sera quand même fait. Regarde, ça marche, regarde. Regarde comme c'est beau. Gratte-toi la tête. Bah non, parce qu'elle, au moins, elle s'est lavée. Elle pue le soufre, je te ferais dire. Comment ça, elle pue le soufre? C'est toi qui sens le soufre. On l'a appelé Lucie. Ah, parce que tu trouves que Lucifer, lui, il va sentir le soufre. Bah oui. C'est plutôt de la carbonite, hein, à ce niveau-là. Ah bah non. Remarque, si. Les deux sont valables dans les enfers. Les deux sont valables. Putain, on est quasiment rendu à 1 000 000, mais alors péniblement. Rechercher, qu'est-ce qu'on a en recherche déjà? Ah. Est-ce qu'on a 25, 40, vas-y, monte. Bah, il faut 40, après voilà quoi. Il faut 40. Et je crois que quand tu fais les recherches, par contre, là, tu n'en génères pas. Non, c'est ça, c'est le seul cas où tu n'en génères pas. Il va falloir repasser par un jeu. Un dernier, mais le problème là, c'est qu'on va évoluer, mais il faudra peut-être pas qu'on déménage tout de suite, par contre. Non. On va peut-être dépasser le million, mais il faudra pas qu'on déménage tout de suite parce qu'on va être trop juste. Ouais. Nouveau thème, peut-être, du coup. On cherche un thème, comme ça on développe un nouveau jeu sous un nouveau jour. Avec le développement du jeu et le rapport généré 13 points de recherche, ouais, ça va être jouable. C'est jouable quand même. Parce que là, de toute façon, on dépense 10, 27, ouais, non, mais c'est jouable. C'est largement jouable. Alors, c'est laborieux. Tout ça pour plus tard, plutôt. Pour faire du coup Farming Simulator. Ouais. Histoire alternative. Et c'est des sujets casse-gueule. Ah bah, Dino Rider. Quoi? Bah, on fait un Dino Rider. C'est quoi Dino Rider? Un truc avec des dinos où tu peux monter dessus. C'est des jeux des années 90. Bah, regarde. Même Cyberpunk, Cyberpunk, ça se joue quand même. Un monde Cyberpunk. Parce que là, j'avoue que les thèmes là, je les connais pas du tout. C'est Voyage dans le temps. Enfin, t'as parlé devant ta mise en avant à vous, j'ai pas compris ce que t'as dit. Oui, c'est normal, je me parle. D'accord, ok, je suis exclu. Ok, au revoir. Totalement. Bah.
C'est complexe. Alors. Ça marche pas ouf sur toi dans un des trucs, donc on va éviter l'histoire alternative. Bah, je pensais cyberpunk. Cyberpunk. Ouais. Si tu veux. Allez, let's go. Comme ça, on cherche Ah, si, histoire alternative en RPG, ça marche. Bon, bah tant pis. On fera le Dino Rider plus tard. C'est pas grave, de toute façon, les thèmes, enfin, l'ordre des thèmes reste le même sur une partie, donc. Donc, cyberpunk, aventure. Je crois que ça marche bien. Oh, si, j'ai le nom parfait pour le cyberpunk. Ah, bah alors, attends, action. Action, ça marche, donc. Ça va être référencé. On va mettre ça. Tout public ou adulte? Plutôt adulte. Plutôt adulte. Ok, alors. Le techno béret. C'est recherché. T'as la référence ou pas? Oui, j'ai la ref, et ouais. C'est nul. Bah, les berrues, rien noir. Le techno berrues. Non, sans le T. Techno berrues. Mais je trouve que ça fait plus beau. Bah. C'est plus beau. Techno berrues. Ok, avec un S peut-être. Bah, tu retires le T. D'accord. C'est un bon compromis. 2.86 édition. Ok, 8.6. Ah, putain. Sorry. 8063. C'est 8.6 en fait. Ah, 8.6. C'est pour ça qu'on dit 8.6 et pas 86. Faut préciser, monsieur. Hein, je pensais que t'étais au courant. Eh bien non, je ne connais pas. T'as vraiment des références alambiquées des fois. Hein. T'es trop culturé. Je suis trop culturé. Oui. Cultivé. Je l'ai fait exprès. Alors. Pourquoi je suis pas célibataire? Oh. J'en sais rien. Bah écoute, ce jour-là, j'avais qu'à pas venir. Hein, Ah putain, oui. Voilà. Oh, si j'avais su dans quoi je m'embarquais. Oh. Pauvre chou. Alors. Pauvre chou minette. Pas mal de gameplay quand même, non? Ou pas? Je sais plus. J'ai le cerveau qui. Bah oui, c'est 80% le gameplay. Ouais. Hop là. Quand même. Bon, je pense qu'on va avoir. Oula. Je crois pas. Quoi? Non mais laisse-moi le chercher aussi. Bah, moi je veux voir. T'es moche. Toi aussi. Ouais, je sais. Je te retourne le compliment, merci. Donc Zang. Je crois que c'est un truc dans ce style un peu bizarroïde que ça. Doucement, peut-être pas mettre le téléphone près du micro. Action. Oui. Et ah, attends, c'est quelle ligne? Ah, GG. C'est quelle ligne? La première. Ah ouais. Non, il y a un problème. Bah ouais, il y a un problème là. Parce que les design du monde à zéro. Mais attends, putain, c'est peut-être ça. Mais pas du tout. Si tu les dis 3 plus, sinon on va mettre à zéro. À cause du design du monde, qu'on se récupère beaucoup de design sur cette partie-là. Bon, je serais d'avis à le mettre à zéro. Oui, mais il y a plus, c'est pas normal. Il y a 3 plus, bah oui, je sais. Et on est censé avoir plus de. Le techno, ouais. Voilà, ouais, donc on... le design, faut qu'on le foute par terre, quoi. Bah oui, faut le mettre à zéro, donc pour moi, c'est le tableau qui a raison, quoi. C'est pas le jeu, là, pour une fois. Et c'est ça, hein. Non, mais là, je suis sur le troisième tableau, en fait. Je suis pas sûr d'accord. Graphisme 100. Ouais, ils sont 80. Ah putain. Je suis. Et il faut 80% de technologie en plus de le design.
Là, on est pas mal, là, en fait, en ratio. Voilà, ça compte. Je m'en fous de ton avis. Ah, quoi. Vous voulez une interview? Oui. Merci. Genre, tu vois... Mais, ah, oh, merde. J'avais oublié qu'on avait la marketing. Non, mais chérie, t'es hors cadre. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Oui, bah, t'as qu'à avoir un grand angle. Bah, écoute, t'as qu'à m'en acheter un. Bah, si j'en achète un, il sera pour moi. Oui, mais des fois, toi qui cherches à me faire un cadeau d'anniversaire, bah voilà. Oui, bah c'est quand même mieux parce qu'avant on avait... Non. Là, c'est quand même mieux qu'avant. Non, sans déconner, c'est mieux qu'avant. En espérant que ça aille... Vas-y. Voilà, là je touche plus, voilà. Non mais là, je suis hyper perplexe là, par rapport à ce que le tableau a dit, là, je... Ouais. J'arrive pas à comprendre. Open world. Open world, mais là on va peut-être pas avoir... Bah on commence à faire les recherches. Avant de faire ta recherche, tu fais ton rapport sur le jeu. Je crois que je l'ai fait. Bah non, fait. Parce que tu as toujours dû le finir le jeu. On n'a même pas encore les... Vas-y. Oui, j'ai les yeux dessus. Ouais, parce qu'il nous faut 40, mais le monde ouvert, je crois que c'est 15 hein, de points de recherche. Ouais, bah ça, on a déjà 5 de plus, donc il nous en reste 10. Non mais je te dis, moi, il y a un truc qui va pas avec le tableau. Mais... Le tableau a une erreur, parce que sinon, on n'aurait pas eu cette note-là. On n'aurait pas eu cette note-là. Moi, je te dis, c'est le tableau qui merde. On va refaire le truc. Alors après, par contre, on en est où, là? Donc, ok, on en était là, c'est ça? Ah, c'est chiant. Ok. Du coup, dans les thèmes, est-ce qu'on a le cyberpunk? Non. Donc, on va refaire la recherche. Parce que moi, je te dis, le tableau a un problème. Donc, moi, je vais suivre les plus, tel que c'est écrit. Ouais. Voilà. Et puis, on va voir. D'ailleurs, on a même 2 points. Où est-ce qu'on a grappillé 2 points? J'en sais rien. Voilà, donc là, il y avait le message. Oh là, attends, c'est encore pire que tout à l'heure. Que dalle. Que dalle, moi, je lâche pas 50 000 comme ça, quoi. C'était 74 000 47. T'as inversé les chiffres. C'était pas loin. Hop. Développé. Donc, on a dit cyberpunk. Genre, action. Action, ouais. Plateforme. PC. Adulte. Moteur, Don Quichotte. Attends, le PC il marche bien? Il faut aussi, de toute façon, le PC il marche bien avec tout. Techno BRU. Et t'avais dit quoi? 8.6 édition. Merde. Mais zut! Voilà. Ok. Mais non, là, il y a quelque chose qui m'a... C'est très bizarre. Merde, le marketing, faut qu'on y pense. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. On a de l'argent, en plus, on peut se le permettre. Hein. Moi, dans mon souvenir, c'était quelque chose comme ça. Attends, parce que t'as 2 tableaux. Il y en a 2. Bah, t'as, en fait, c'est que t'as le tableau étape par étape. Oui, c'est ok. Et moi, je regarde toujours le tableau générique. Oui, mais de toute façon, ça change rien, ah, c'est la même chose. C'est vraiment bizarre. Ouais. Parce qu'attends, graphisme et son, c'est l'attaque. D'accord. Ça me met ça. Bah fais ça et puis on va voir ce que ça rend comme résultat. Bah ouais, parce que non mais là c'est non, très très bizarre. Graphisme. Non, graphisme c'est la moitié des deux et le son c'est... Donc, quoi, graphisme comme ouais, ça en fait, c'est, là tu vois c'est les deux mots en termes de points, c'est pour se faire spécialiser. Graphisme c'est la moitié, c'est moitié-moitié. Son c'est un petit peu plus design que tech. Et le world design, en fait, c'est un petit peu plus design que tech. En fait, c'est pour ça qu'on gagne toujours beaucoup de points de design. Oui, enfin, le problème, c'est que j'ai parce pas écouté ce que... Bien qu'il y ait vraiment accès technologie sur le troisième... Oh là 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 là. La troisième étape. J'ai jamais autant galéré sur Game of Tycoon.
J'ai jamais eu autant de problèmes. Propriétaire et PDG de merde. Le PDG de merde. Et l'interview de merde. Il faut qu'on le garde ce nom, franchement. C'est génial. Des jeux avec des thèmes plus matures seront monnaie courante. Bah oui, bien sûr. Les gens évoluent, c'est normal. Bon, là sauf on est. Christine Boutin. Oui, sauf Christine Boutin, bien sûr. Là, on est dans la merde. Là, on est clairement dans la merde. Je n'arrive pas à comprendre ça parce que dans mon souvenir, c'était pas ça. C'est un peu mieux que tout à l'heure, mais c'est pas ça. Ouais. Et qu'est-ce qui pêche ? Alors attends, je vais faire le rapport et je vais voir ce qui merde. Parce que là, ça m'intrigue quand même. Il y a une grosse différence entre ce qui est dit là et le tableau. Enfin, entre ce qui est dit... Bref, t'as vu. Bref, t'as vu, frère. Ouais, c'est la famille. Ouais, c'est... Le son est peu important, donc ouais, en fait, faut l'enlever. Ou au moins mettre à 40. C'est ce que j'ai fait. Alors, c'est quoi le problème? Alors, attends. Je vais... Voilà. Il faut que j'ai le tableau devant moi, des fois. C'est quoi que t'as tapé? Gavdem Taikut Solus. Parce que là, il y a un truc qui me... Il y a un truc qui m'interpelle et ça m'énerve, j'arrive pas à le comprendre. Merde. Astuce. Je sais plus. Je vais sur jeuxvideo.com. Ah oui, c'est vrai que c'est JVC qui... Je vais très peu sur ce site au final. C'est JVC ou c'est... Non, c'est, non, super c'est pas du tout JVC. Super hein. C'est... Ah bah voilà, ça n'a rien à voir. Voilà. Ouais. Oh putain. Ça fait longtemps que je suis pas allée sur ces sites-là. Ouais. Ok. C'est pas ça qu'on a inversé? Si, peut-être, mais si je sais. Je comprends rien, quoi. Non, mais toi, est-ce que t'arrives à comprendre la logique, là, toi aussi? Non. Bah voilà. Ok. Dernière tentative. Oh, on arrête. Oui. On va te prendre la tête pour rien. Oui, mais oui, mais ça me saoule parce que je veux comprendre. Je veux comprendre pourquoi. Mais ce qui est con, c'est qu'à chaque fois, on arrête toujours à la même étape parce qu'on n'y arrive pas. Donc il faut qu'on revoie une strat. Il faut peut-être qu'on revoie une autre strat. Merde. Non, c'est bon, on l'a recherché là. Développer un nouveau jeu. C'est peut-être le public averti aussi qui va pas. C'est peut-être le thème en lui-même. Cyberpunk, public averti. Regardez ça. Ou alors on le fait sur un autre thème. Surtout pas casu, non. Strat, non. Simulation. RPG. Ah, RPG, ça passerait mieux, peut-être. Cyberpunk et RPG. Ça passe. Ça passe, hein. Par contre, public averti, est-ce que ça passe? Je cherche. Meilleur thème. Ciblage public. Chercher ça. Don Quichotte. Déjà, on va remettre le titre hein, tel quel. Hein. Désolé la VOD, hein, mais là... Ouais, tu comprends mon montage, c'est pas grave. Non, je coupe plus. Synergie thème. Je genre... coupe plus maintenant. Parce que j'ai pas le temps. Ah, la gourdasse. La bouilloire vient de parler. La gourdasse. C'est la gourdasse bouillonnante. Ah, mieux, ce... Oui, oui. Non, mais on s'en fout. Il faut avoir Cyberpunk, public averti, ça fonctionne très bien. Et TP? Ça marche bien. Ça marche bien. Ça marche bien. Mais ça marche mieux public averti. Ça marche un peu moins bien que public averti. Ah bah, faut me dire. Je te dis, public averti, ça marche bien, très bien. Non, tu m'as dit bien, pas très bien. Donc je ne savais pas si ça marchait vraiment très très bien. Bon, tu m'emmerdes.
Donc, vaut mieux public qu'averti, mais tout public, ça passe aussi. Voilà. Merci. c'est la réponse que je voulais. Oh. Donc, PC, RPG, allez, let's go. Et après, bon, on abandonne. Hein. Clairement, le moteur, on s'en fout. Histoire quête, c'est très important. Histoire quête, gameplay. Genre ça, oui. Ok, d'accord. Bon. On va laisser comme ça. De toute façon, tu fais ce que tu veux. Le moteur, on va quand même garder les sauvegardes. Hein. Parce que tu joues pas un RPG en ne faisant pas de sauvegarde. Hein. C'est un peu con. Oh, ça existe. Ah ouais? Ouais, bah sur la NES. Ah oui. Tac. Tac, tac, je crois que ça fait. Je suis pas sûr là. Bah non, l'intelligence artificielle, on s'en fout, c'est un RPG. Qu'est-ce qu'on fait là ? Bah oui, exactement. Allez, je mets tout. Je mets tout le marketing possible. Bon, déjà, on est bien parti. Et enfin, là, faut pas se planter. Voilà. Allez, je claque tout. C'est pas mal. Allez hop, on laisse comme ça. On va pas améliorer ou ni aggraver le cas. Ouais. Ok, donc monde ouvert. On fait le petit rapport. Non, c'est Technoberry, j'ai oublié le S. C'est mieux. C'est mieux. Mais il faut que ça reste mieux. C'est mieux. On n'arrive pas à dépasser 7, c'est incroyable. Mais. Très cher monsieur, vous êtes encore hors cadre. Oui. On dirait que tu t'en branles. Ouais. Très important, bah oui, mais on n'a pas encore beaucoup. Bon, on va rester là-dessus, je pense. Hein. On va pas chercher à l'améliorer plus que ça. 40. On peut faire ça. Attends. Oui, bah voilà, c'est ça, mais expérience utilisateur, c'est 15. Donc il nous faut 55. Et je vais éternuer, sauf que ça ne veut pas éternuer, ça me saoule. Là, tu peux lancer le contrat et couper là-dessus. Couper là-dessus directement sur le contrat. Bah, tu lances le contrat et tu coupes pas le contrat. Non ? Bah, c'est naze de couper un replay en plein milieu d'un contrat. Ah ! Bah oui, bon, non mais voilà. Attends, la politesse, enfin. Enfin, ouais, non mais... C'est ça qui est dingue, c'est que là, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais autant galéré sur Game Dev Tycoon. Même en ayant les données des parties précédentes, j'ai jamais galéré comme ça. Enfin, je sais pas toi, mais moi, c'est la première fois que je galère à ce point-là, quoi. Ouais, pareil, c'est... Hein. C'est quand même dingue. À croire qu'on n'est pas compatible. Oh, ce plot twist. Bon, du coup, on va faire pour le replay. Donc, on fait ce contrat, peinard. Et la prochaine fois, je pense que peut-être aussi qu'on se prenne des notes sur ce qu'on a fait. Le replay, de toute façon, du stream précédent et de ce stream-là arriveront au courant de la semaine. Déjà, je pense mettre le replay de ce Game Dev Tycoon-là. De celui d'il y a deux semaines, demain. Et le replay de ce stream-ci arrivera mercredi, du coup. Le temps de le faire. Et dans la semaine, il n'y aura pas énormément de stream non plus déjà de base. Donc à la prochaine pour le replay. Et désolé encore d'être revenu en arrière pour la troisième fois consécutive, mais la prochaine fois, c'est la bonne.